Qu'est-ce que tu faisais, observateur? Je me faisais bronzer. Pourquoi t'as fait exploser cette tour? Parce qu'elle bloquait le soleil. Quelle est ta profession, Jack? Je suis un décorateur d'intérieur. Ok, je vois. Alors, est-ce que tu peux bien nous dire d'où tu viens aux États-Unis? Ouais, c'est yeah, de l'Alaska. Une centaine de kilomètres d'Anchorage. T'as peut-être déjà entendu parler de ce village. Ça s'appelle Jean-Cul de ta maman. Au point, j'aimerais un nouveau départ, tourner la page. Dans cette vie, même pas passé pour mort, tout ce qui s'était passé. Le marqueur inhibile qui est le passé. Qu'on pourra jamais effacer, qu'on pourra jamais gommer. On se demande de se tingler. Aujourd'hui, ni Dieu, ni maître, mon étendard. Ma liberté de penser, quoi qu'il arrive, en 1600 ans d'esclavage. On a le vie pour nous, la musique, une thérapie, une liberté de penser. Au fond, on est respecté par les actes qu'on fait. Cette fois-ci, c'est clair. Nous voici un enfer de 2000 ans de conneries. De 2000 ans de conneries. De 2000 ans de conneries. Je dis des choses qui peuvent vexer, mais la triste réalité, c'est comme Jésus-Christ, la péri de l'enzingué. J'aimerais qu'on passe passer pour mort. Qu'on tourne la page de cette vie de damnée. Je tourne la page, qu'enfin je tourne la page. Qu'enfin je tourne la page. Qu'enfin je tourne la page. Ça donne une bonne leçon à ma famille et le petit qui pleuront le Dieu pognon. Qui pleuront le Dieu pognon. Je donnerai une bonne leçon à ma famille adoptive qui feront le Dieu pognon. Et comme ça, mon petit frère pourra tout se faire passer pour moi. Même si tu pourras passer pour moi, je serai déclaré mort. J'aurai plus d'amis comme ça, j'aurai plus ta merde comme ça. Au fond, j'aimerais qu'on fasse passer pour mort comme mon double, comme mon double, comme mon double. Au fond des tiens, je l'aime en crever, je l'aime en crever, on s'aime en crever de l'amour. On est inséparable, on est inséparable, on est venu, on est envoyé pour s'aimer, mais sans déconner, parce qu'il voulait partir au Canada. Avec Fadoula, son vœu le plus cher, il n'a pas pu exaucer, ça me tient à cœur. J'ai enlevé le doigt majeur à mon frère qui est décédé, parce qu'il y avait le doigt majeur coupé dans ce monde malade et de damné. Et pas coup de gaz sans rien, de cacher qu'on va guérir ce monde, ce biomètre. C'est l'amour, l'amitié. Ouais, l'amour, l'amitié. Ouais, l'amour, l'amitié. Et vu l'accueil que j'ai reçu, tout ce qu'il méritait, c'est de me casser. Par où je suis arrivé, alors la moindre des choses, c'est de me faire passer pour mort et qu'on n'en parle plus. Et que je reprenne mon identité biologique. Et que je reprenne mon identité biologique qui est fadée. On n'est pas à la prise d'une fois, tout croyant qu'il est. Un jour, un aumônier m'a demandé comment je m'appelle. J'ai répondu fadé. Il m'a dit on n'est pas à la prise d'une fois, tout croyant qu'il est. Tout croyant qu'il est. Alors l'histoire du petit Jésus, la connaissent, va. Eh oui, non, ce qui dépasse, c'est maquin. Bien sûr, ça reste dans les annales, c'est dans les livres d'histoire. Et non, ce qui dépasse, c'est maquin. Ça reste dans les annales, il y a une histoire qui doit rester dans les annales. Chacun demandait aux gardes des vaisseaux, en personne, de rester dans les annales. À monsieur Fadé, de rester dans les annales. Chacun lui demandait, et peut-être tu voudras, mais en principe, s'il fait ça, c'est que t'as pas eu de cœur de ce que t'as fait. Et c'est que tu l'as mérité, et c'est que tu l'as mérité. Et que tu l'as mérité. Tout se paye dans la vie, tout c'est pas une question d'argent. C'est le cas de dire, c'est le cas de dire.